Merci de m'avoir bien accueilli déjà. Après, mon sentiment est. C'est un sentiment d'impatience en fait, de vraiment de retrouver les terrains. Pas oublier cette saison passée, mais passer un nouveau cap ou prendre un nouveau challenge qui m'a été proposé avec beaucoup de sûreté, avec beaucoup de confiance. Et tout ce qu'on m'a proposé, je l'ai vu de mes propres yeux et ça m'a l'air très 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 réglo. Et maintenant, je suis prêt à attaquer les terrains. Ça a été un tournant d'avoir eu le coach au téléphone, avec tout le respect que je lui dois, tout ce qu'il a fait dans le championnat français. Je pense que j'ai vraiment beaucoup à apprendre de son côté. Et à moi aussi de peut-être lui faire découvrir des choses qu'il n'a pas connues sur certains joueurs. On ne sait jamais. Même s'il a eu beaucoup de bons joueurs, et à moi de lui faire voir qu'il n'a pas eu tort et que cette confiance-là, je dois lui redonner. Cette saison, j'ai passé une mauvaise saison. J'ai pas eu le temps de jeu que j'aurais voulu. Après, on l'explique comme on veut, mais je redescends justement pour avoir du temps de jeu, reprendre cette confiance que j'avais l'année précédente où on est remonté et retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Maintenant, moi, ce qui me fait le plus du bien, c'est de sentir déjà cette confiance et après de retrouver les terrains comme je sais faire. Après, tout se passe sur le terrain et voilà, il n'y a plus grand chose à dire. Ma qualité première, c'est les dribbles, apporter des occasions, apporter des frappes et de la percussion devant. Et surtout, j'ai un jeu qui est plaisant à regarder, à jouer. Donc maintenant, il faut que je me sers de mon expérience, surtout ma montée avec Metz pour tout faire sur le terrain et faire kiffer les gens, comme on dit, et le public et tous ceux qui ont cru en moi dans ce projet, au coach, au directeur sportif, à tout le monde. Et maintenant, à moi de faire les choses sur le terrain, comme pourquoi ils m'ont recruté, maintenant, ce sera à moi de le montrer, quoi.